toute chose avant avant toute chose, bordel de merde. Bah les gars, bah voilà, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que ce glitch, il y a un petit problème. C'est que les manettes, même en gros, même on va dire, c'est que les manettes, c'est pas les mêmes, les gars. Il y a les anciennes manettes et les manettes récentes, quoi. Ok? Donc, ceux qui ont pas le panel tactile et tout, là, je sais pas quoi, là, avec la petite lumière au-dessus, là, c'est foutu. Hein. Parce que c'est une série de manettes sur laquelle ça fonctionne, quoi. Il y a des manettes, ça fonctionnera pas. Il y a des poteaux qui ont la manette, donc ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà les gars, ben, en attendant, pour ceux qui ont l'option, vous faites paramètres, touche PS, paramètres, périphérique, vous allez dans manette, vous descendez tout en bas, gestion des données, de communication, et là vous allez mettre USB, et vous allez brancher votre manette à la Play. Une fois que vous avez fait ça les gars, vous rentrez dans le véhicule. Vous enlevez le fil et vous accélérez. Vous refaites touche PS et vous retentez encore une fois. Donc, faut faire vraiment près l'un de l'autre, ok les gars? Genre, j'enlève, j'accélère tout de suite, ok? Donc, je rentre dans le véhicule. J'attends qu'il démarre, ok? Et là, j'enlève le fil, j'enlève le câble et paf, j'accélère, mais presque en même temps, ok les gars? C'est parti, j'enlève. Et là, on va aller voir les gars. On recommence deux fois. Donc, hop, j'enlève le fil et j'accélère, ok? J'enlève le câble. Allez. Je recommence, j'enlève le câble, j'accélère les gars. Je recommence. Les gars, attendez, parce que là, quand il y a la porte ouverte, il y en a une au bout là-bas. Ok, regardez, je suis sorti invisible. Donc, les gars, moi je vous conseille, hein, c'est un conseil, sortez avec votre véhicule parce que comme elle était sous terre et vous l'avez renvoyée ici, histoire de bien débugger la voiture, les gars. Vous la rafraîchissez en sortant et vous rentrez, vous faites bien votre truc. Okay. C'est personnel, hein. Vous faites si vous avez envie. Donc là, j'enlève le câble, paf, j'accélère, ok. Donc j'ai bien les doigts, hop, j'enlève. On va voir les gars. Ah, mais tu rentres la loupe. On va voir, on va voir. Vamos a ver, vamos a ver. Non, c'est pas encore, les gars. Donc j'enlève le câble, j'accélère. Paf, ok. J'enlève. J'ai fail. J'attendais, je remets mon câble là. Donc je rentre dedans. Là, je suis prêt. Je me prête à enlever le câble. Et j'accélère, ok. Donc là, on va voir les gars. Non. Donc je vais faire avec la marche arrière les poteaux parce que je viens de faire plusieurs fois avec la marche avant. Donc
J'enlève. Donc on va voir avec la marche arrière. Non plus. Mais on lâche pas les gars. Ok. Donc j'enlève le câble et je fais marche arrière. Donc je fais avec la marche avant. Donc c'est parti, on va voir les poteaux. En tout cas, le truc il est là. Ça marchera pas pour tout le monde les poteaux. Hein. Et ceux qui n'ont pas les manettes. En fait là ça marchait mais ça fail en fait. Donc là elle va disparaître. Là je re-rentre les poteaux. Ça marchera pas pour tout le monde parce que c'est pour les manettes récentes en fait. Les plus petites là, les anciennes manettes. Ça marchera pas les gars. Il faut avoir une nouvelle version de manette et là les poteaux ils sont en train de voir avec le chargement de la batterie de la manette ou avec Select. Ils restent appuyés sur Select, ils comptent jusqu'à 6 et là ils sont en train de tester le timing en fait pour ceux qui n'ont pas la manette récente. Ah, et en fait ils disent laissez la batterie aller jusqu'au bout, plus de batterie. Et une fois qu'elle a plus de batterie, les gars, bah, là vous branchez et tac, vous redébranchez. Comme elle a plus de batterie, ça va faire le même effet, quoi. Faut que vous attendez qu'elle ait plus de batterie, les gars. Bout de manette. Ok, c'est Potofoli qui vient de me dire ça. Donc vous attendez qu'elle ait plus de batterie, vous branchez au câble, à la play. Et là, bah, vous faites ça, paf, vous enlevez le câble et vous accélérez direct. Un big up à Potofou, il est toujours là, toujours dans la place. T'as la famille. Ok les potos. Donc allez, c'est parti, j'enlève le câble et paf, j'accélère. Ok les gars. Touche PS, je remets mon câble. Et là, je vais voir ce que ça donnait. C'est bon les gars. Ok. Ouais. Donc là, alors là, ce que vous allez faire, vous sortez dehors, vous allez aller dans Internet, et là, vous allez aller dans le camion, vous allez aller dans module 2, vous allez rénover le module 2, non, il est déjà vide, si c'est rénové, et là, vous allez dans le 2 là. Hop, module 2. Module fait l'intérieur. Mais je suis dans lequel? Je suis dans le 2, dans le 3 là. Attends, bouge pas. Allez, hop, module 2. Ici là. On va rénover le module. Ah bah il est là-haut. Putain, mais je suis à l'ouest moi. Excusez-moi les gars. C'est juste là là. Hop, module 2. Ici là. Là là. Putain. Et là, vous mettez atelier de véhicules et d'armes. Ok. C'est tout. Et là, vous allez payer 955 000. Voulez-vous acheter? Voilà. Ok. Donc, hop, là, je vais aller chercher une voiture dans mon garage. D'avoir des élégies quelque part là. Donc là j'ai une élégie, je vais la sortir. Il y en a, ils arrivent ici, ils explosent là. Voilà, je l'ai sorti, je la laisse ici les gars. Et là, je vais aller changer une couleur des plaques. Donc là, je rentre dans le véhicule, les gars. Et là, je vais changer
La plaque, ok. Donc la plaque, hop, plaque. Et là, je vais changer. Voilà, je vais mettre blanc comme ça, ok. Là, vous faites rond, rond, ok. Et là, vous faites descendre du véhicule. Ok, les gars. Donc là, vous sortez. Et là, j'ai. Il y a la voiture qui est dehors, là, vous voyez? Et j'allais chercher une autre, mais est-ce que j'en ai une autre ici? Je sais pas, faut que j'aille voir dans le deuxième gars. Je crois que j'ai une bleue normalement. Je crois que j'avais une bleue. Je vais aller voir. Big up à poteau, poteau Freddy. Donc, là les gars, on prend encore une autre. Et ainsi de suite, hein, parce que moi je n'ai pas beaucoup dans ce garage. Donc là les gars, pareil, je la laisse dehors. Je rentre dedans et je vais changer la plaque encore. Donc là, je change la plaque. Hop, ok. Là, on va mettre noir comme ça. Et là, je fais rond, descendre du véhicule, ok, les poteaux. Ça, c'est vraiment pour les riches. Hein. Voilà, là, c'est la deuxième. Après, les gars. Vous pouvez aussi la rentrer, il m'a dit photophobie aussi. Voilà. Vous sortez le véhicule, vous la rentrez, vous allez voir apparaître le véhicule. Voilà les gars. Vous voyez, hop. La duplique était faite, je vais voir si j'ai des délégués dans le deuxième. Je vais voir si j'ai plus délégué dans le deuxième garage. Celui-là, il est plein maintenant. Voilà, les gars, bah, tout est plein, hein, les gars. J'espère que. Voilà, je vais juste pister bien comment on fait la chose, les gars. Et bien le timing pour vous arranger les gars. Et à la prochaine. Ok. Viva. Et viva la révolution. Et viva la plata, coño. Viva la plata.